Bonjour Charles Decan. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Il perd pas une info, place à votre journal des médias, c'est quoi le sommaire du jour? Stéphane Plaza arrête les tournages, France 2 fait marche arrière, Noël est déjà là. Quel score pour les élections américaines aux États-Unis et un nouveau sport à la télé? Mais on commence évidemment par les audiences. Que les Français ont-ils regardé hier soir à la télé? C'est France 2 qui a pris la première position avec les deux derniers épisodes de 10%. 3 600 000 téléspectateurs ont dit au revoir à Camille Cotin, Thibaut de Montalembert ou encore Grégory Montel, soit 15,2% du public. TF1 a pris la deuxième place grâce à la suite de Grey's Anatomy saison 16 avec un épisode marqué par le départ d'un personnage emblématique au compteur 3 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 12,6%. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, TF1 repasse devant M6. La semaine dernière, elle s'était fait battre pour la première fois. Elle repasse donc devant M6 à 27% de part d'audience. Enfin, M6 est troisième avec la suite du meilleur pâtissier saison 9. 2 900 000 fans de gâteaux ont suivi le concours, soit 13,3% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'annonce de Stéphane Plaza. Fini les tournages pour l'animateur de M6, c'est ce qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux dans un long message. Stéphane Plaza est au bout du rouleau et on peut le comprendre. Depuis la reprise des tournages de ses émissions pour M6, l'agent immobilier préféré des Français a subi une soixantaine de tests sur le Covid. Voilà ce qu'il a écrit sur Instagram, je cite « Plus de nez, plus de bras. Entre PCR, prise de sang et tests sérologiques, mon corps n'en peut plus. » Et du coup, c'est pas la bonne page, donc bon. Il a dit « Je passe à travers les gouttes, mais c'est toujours le même schéma », dit Stéphane Plaza. Ouais. Je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J'en suis à une soixantaine de tests. Fin de citation. Merci Philippe. Et pour cause, entre chasseurs d'appart, maison à vendre et recherche appartement ou maison, l'animateur n'arrête pas. Et chaque nouveau tournage est une occasion de plus d'être en contact avec des personnes positives au Covid-19. Dans le meilleur des cas, il est testé et isolé le temps d'attendre les résultats. Dans le pire, il attrape la maladie. Deux options qui ne l'empalent pas beaucoup. Sur Instagram, Stéphane Plaza termine son message avec une petite boutade. À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l'épidémie passe. On aimerait tous pouvoir en faire autant. Bertrand Chameroy s'en amusait hier avec nous. De nombreuses chaînes françaises s'étaient mises à l'heure américaine pour couvrir l'élection. Mais aux États-Unis, comment ça s'est passé? Alors aux États-Unis, évidemment pas de changement d'heure, mais une couverture phénoménale. Mardi soir, pas moins de 21 chaînes américaines consacraient leur soirée aux résultats des élections, qui ne sont donc toujours pas arrivées. Et les audiences ont été très bonnes, mais pas phénoménales. En moyenne, 57 millions de téléspectateurs étaient branchés sur l'une de ces 21 chaînes, ce qui représente quand même plus d'un Américain sur 6. Mais ce score est en nette baisse par rapport à l'élection 2016. Ce soir-là, 71 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. C'est quand même 20% de plus que cette année. Alors dans le détail, c'est Fox News qui s'est imposé en tête des audiences, toutes chaînes confondues, avec près de 14 millions de téléspectateurs, devant CNN à 9 millions et la troisième chaîne info, MSNBC à 7 millions, trois chaînes info devant les grandes chaînes américaines. Incroyable. ABC n'est qu'à 6 millions, soit 500 000 de plus que NBC. Ce qui est intéressant, c'est que les chaînes info affichent des scores plus ou moins stables sur 4 ans, mais ce sont les grandes chaînes qui se sont effondrées. À titre de comparaison, en 2016, les 4 grandes chaînes américaines, ABC, NBC, CBS et Fox, avaient réuni 9 millions de téléspectateurs de plus que leur score combiné de 2020. Nous ne sommes que le 5 novembre, mais en croire les chaînes de télévision, c'est déjà Noël. Depuis lundi, les téléfilms de Noël ont envahi les grilles. Ah oui, je les ai vus. Bah oui. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là? Voilà, c'est déjà dans les grilles de TF1 et de M6, comme chaque année. Il y en avait même déjà sur les chaînes de la TNT le week-end dernier. On a l'impression que ça arrive de plus en plus tôt chaque année. Et pourtant, on reste à peu près sur la même date qu'en 2019. Mais selon la directrice de la programmation de M6, Christine Bouillet, l'arrivée de ces programmes de fête juste après la Toussaint n'est pas prématurée. On ne commence pas si tôt que ça, en réalité. Déjà, dans les magasins, les calendriers de l'Avent sont installés depuis quelques jours. Les cadeaux de Noël sont déjà bien installés aussi pour commencer ces achats pour les enfants. Les lumières de Noël vont arriver dans les rues courant du mois de novembre. Donc, en fait, c'est autant l'arrivée de l'hiver qu'on célèbre quand on commence à programmer les téléfilms de Noël et on accompagne notre public dans sa vie réelle. C'est surtout un état d'esprit et une recherche de convivialité et de réconfort pour partager en famille. Donc, c'est un bon moment aussi pour se retrouver pendant le confinement qui vient, hasard du calendrier, juste commencer au moment où on démarre notre programmation. Christine Bouillet le dit, l'arrivée de ces téléfilms semble particulièrement bienvenue maintenant que le confinement a été décrété. On se souvient d'ailleurs qu'au printemps dernier, M6 avait choisi de ressortir les téléfilms de Noël, mais la chaîne les avait rapidement remisés au placard, le public n'était pas prêt. Et là, le public est non seulement prêt, mais il est aussi plus nombreux que l'an dernier, confinement oblige. Lundi, par exemple, il y avait 20% de téléspectateurs en plus devant leur télé sur la case des téléfilms, une case qui va être de plus en plus concurrentielle à l'approche des fêtes. On a essayé
essayé de savoir comment on achetait ces films. Et voilà ce que Christine Bouillet a accepté de nous dire. Même si je ne peux pas vous révéler les secrets de fabrication des achats de téléfilms de Noël, ce que je peux vous garantir et dont je peux vous assurer, c'est qu'ils sont sélectionnés avec grand soin et analysés par une équipe dédiée au service des acquisitions. Et que le secret d'un bon téléfilm de Noël, ça tient en trois étapes. C'est d'abord une très bonne histoire. Souvent, c'est des histoires de retour aux sources, dans sa famille, revenir dans sa ville d'origine. Une histoire de rédemption aussi, de trouver le vrai sens de sa vie. Le deuxième axe, c'est d'avoir de beaux décors avec des maisons bien décorées, sous la neige, où tout le monde a des pulls de Noël. Et enfin, c'est très bien aussi d'avoir un casting de têtes connues, pas forcément dont on connaît les noms, mais des acteurs américains qui reviennent à l'esprit et qu'on est content de retrouver. Voilà, c'est ça le secret du bon téléfilm de Noël. La directrice de la programmation d'M6, Christine Bouillet, au micro de Louise Bernard. La programmation de France 2 après 20h s'apprête à nouveau à évoluer. Absent de l'antenne depuis quelques jours, Un si grand soleil s'apprête à faire son retour de l'antenne de la chaîne publique plus tôt qu'on aurait pu le penser. Dès le 9 novembre, c'est-à-dire lundi prochain, le feuilleton quotidien de la 2 retrouvera sa case de 20h40, juste après le JT. Un retour qui intervient 10 jours seulement après son retrait. C'était au lendemain de l'annonce du reconfinement. La chaîne avait décidé de prolonger son journal de 20h pour couvrir au mieux l'actualité. Et elle avait évoqué à l'époque une durée indéterminée. Finalement, 10 petits jours seulement auront suffi. Je rappelle que pendant cette pause, les équipes d'Un si grand soleil n'ont pas arrêté pour autant de travailler. Elles ont donc permis à la chaîne de mettre en stock quelques épisodes d'avance. Un serpent de mer maintenant. On termine ce journal avec du sport et l'arrivée prochaine du MMA à la télé. Alors MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts, en français les arts martiaux mixtes. C'est un sport de combat que les chaînes françaises vont désormais pouvoir diffuser suite à l'accord qui a été donné par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est la Fédération française de MMA qui l'a annoncé hier sur Twitter. Il y a une chaîne française qui diffuse déjà du MMA sur son antenne, c'est RMC Sport 4 qui avait trouvé une astuce. Elle diffusait le signal depuis le Luxembourg. Plus besoin de ce stratagème désormais et la Fédération française de MMA indiquera prochainement dans quelles conditions ces événements seront retransmis. Alors le MMA, c'est un sport réputé très violent et j'imagine que le CSA a encadré sa diffusion. Absolument. Selon le journal L'Équipe, la retransmission de MMA sera déconseillée aux moins de 16 ans et les chaînes gratuites auront l'interdiction de diffuser ces rencontres avant 22h30. Cette interdiction ne s'appliquera pas aux chaînes et aux plateformes payantes qui pourront proposer du MMA dès 20h30. Alors ce feu vert donné par le CSA, il intervient 15 ans après sa décision d'interdire cette discipline à l'antenne. En 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait jugé que ce sport, je cite, portait atteinte à la dignité des participants, qu'il était susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, et même qu'il était contraire à la sauvegarde de l'ordre public. Rien que ça. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de médias.